vous souhaite à tous une agréable semaine. Faut garder le sourire tant qu'il y a la santé, tout va bien. Faut garder le sourire tant qu'il y a la famille, tout va bien. Coucou les chouchous, bibi, doudou. Alors aujourd'hui je reviens pour un make-up. Alors on va voir, on va le faire ensemble. Ok, déjà ce que je mets, mon roller anti-fatigue. Hyper important pour moi. Voilà. Hop. Avec les trois petites billes de chez Sephora. Et je masse. Voilà. Ok. Maintenant, je vais mettre mon sérum. Alors, je prends avec la pipette. Hop. Et il y en a trois, il y en a plusieurs gouttes là. Je le fais comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. C'est très gras. Je referme et je masse. Pour que ma peau soit un peu plus hydratée et en même temps détendue. Et je vous assure que ça sent super bon. J'adore. Oh là là, ça sent trop trop bon. Ensuite, je vais utiliser, comme d'habitude, hein, pour le moment, j'utilise l'herborian, celui-là, au ginseng, oui, mais je l'adore. Hein. Quand j'en aurais pu, il y a la petite glace dedans, mais c'est vraiment une tuerie. Je fais comme ceci. La prochaine fois, je prendrai un peu plus foncé la couleur. Voilà, et j'étale. C'est pareil, ça sent trop bon. J'ai pas encore la base à paupières, mais il me la faudra. Vous voyez, j'ai plus de sourcils. Hein. Mais bon, ça, c'est normal. Voilà, je referme mon petit. C'est franchement un truc qui va hyper vite. Je prends le Manakadar, qui est un bronzer, que j'ai eu dans ma Birchbox, les trois produits pour 5 euros. Voilà. Et je vais prendre le modèle Co que j'ai eu dans ma Birchbox. Voilà, avec les mains. Je sais pas, ils disent aussi les lèvres, on va voir. Bah ouais, en fait, il fait tout. Hein. Franchement, il est même joli pour les lèvres. Ok. Alors, ah oui, bah voilà. Je sais pas si vous voyez, mais il y a Ivy qui adore le maquillage et qui est tout le temps dans mon maquillage. Je vais prendre cette petite palette. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis habillée comme ça. Donc, je vais mettre certainement du rose. Allez, on ose. Chez Nose. J'ai pas de nose. Voilà. Je vais prendre le rose clair, c'est un maquillage très léger, hein, je vous cache pas. Ivy, en fait, je prends un mélange de celui-là et de celui-là. Je vais mettre. Moi, je la trouve très bien, cette palette. Ok. Bon, on peut pas faire beaucoup grand chose parce que on n'a pas de... Il n'y a pas énormément de couleurs, mais ça va. Voilà.
Ok. Maintenant, je vais prendre le petit pinceau de la palette et je vais aller prendre du rose et du marron. Et je vais faire ceci. Remettre un peu de marron. Celui que j'ai là. Pour le coup, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le marron, l'eyeliner marron. Voilà, de chez Sephora. Que j'hésitais entre le noir, parce que j'ai celui-là aussi de Sephora, en noir. Mais je vais prendre le marron. Ça fait un maquillage très discret. Hein. C'est maquillé, mais sans être trop... Si je prends la palette, si je prends celle-là, effectivement, ça va être beaucoup plus prononcé, mais je voulais pas. Je voulais que ce soit un peu dans les tons rosés comme ma robe. On va essayer de mettre celui-ci là. Celui-ci. Ah, j'aime bien. Il sent bon en tout cas. Il nous reste le mascara et l'eyeliner en bas. C'est un cadeau qu'on m'a fait ce week-end. Trop belle, des Guess, j'adore. Ça, c'est le petit parfum Pivoine de chez Sephora. Petite pochette Sephora. Voilà. Et bien sûr, l'indispensable barre minérale. Sans lui, j'ai l'impression d'être démaquillée. Ceci. C'est le paradise que j'ai gagné avec Magali The Mouse il y a un petit moment. Ma petite Mimi que j'adore. Voilà. J'aime beaucoup le... On va faire un essai. Hein. Juste là. On va mettre juste ici. Pas trop. Ben, je trouve que ça fait super joli. Ça fait deux teintes. Ben voilà. J'espère pas avoir de boutons parce que moi je fais des allergies à gogo. Voilà mes choubidous, si mon maquillage vous plaît, un pouce. S'il ne vous plaît pas, la. J'ai oublié quelque chose. Ah oui, je suis obligée d'entamer de nouveau. Je suis obligée de l'entamer. Celui-ci. Moi, je prends les deux en même temps. Et ni vu ni connu. Vous avez vu un peu, c'est un truc de fou. Hein. Et ça, c'est mes idées à moi, j'aime bien. En fait, je l'ai vu sur personne, hein. C'est parce que j'ai vu ça chez Monoprix. Et je me suis dit, c'est quoi ça? Et quand j'ai regardé, j'ai dit, oh, c'est super, et personne n'en parle, c'est marrant. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. I love you, Ishley Body, je te kiffe, bye bye. Abonne-toi et active la cloche.